Ça m'a rappelé un truc parce que quand j'étais plus gosse, j'allais à la question le dimanche après-midi à Paris, c'était un club où on écoutait la musique, et les mecs avaient, je me souviens, une bande de mecs qui aimaient rouler des palos aux mecs, comme ça, mais très comme ça, ils roulaient des pelles, machin. Et je me souviens de ce souvenir parce que c'est vrai que quand on embrasse un mec, ça pique. Il y a un truc. Mais t'avais jamais roulé de pelle à un mec avant deux verres. Non, si, une fois, il y avait un mec qui m'a roulé une pelle dans la question. Et bon là, mais c'était étonnant parce que Patrick était vraiment, il s'impliquait vraiment dans ses personnages. C'est vraiment quelqu'un qui, il tremblait. Il tremblait, Il tremblait. J'ai mis la main au paquet. Enfin, c'est vulgaire de dire ça. Mais c'est vrai, il fallait dans le rôle. Et tout d'un coup, là, c'est intéressant. Quoi. D'un coup, tu sens un truc bizarre. Après, au cinéma, on t'a proposé des rôles de PD pendant 10 ans. C'est vrai que cette image n'a pas été, je veux dire, ça peut-être un peu, je ne sais pas, dérangé, mais enfin bon. Mais ça, ça m'a permis de faire d'autres choses. Alors après, tu as inventé un truc, c'est le doublage décalé, c'est-à-dire que tu as pris des images animalières et que tu as fait parler, en fait, tu as rajouté des voix par-dessus. J'avais une télé et au début du magnétoscope, c'était du magnétoscope en fer, là, les trucs assez costauds. Et je rentrais des fois. Souvent, j'avais la télé fermée. Bon, donc on regarde la télé fermée et on projette inconsciemment des choses. Puis un jour, je me souviens, il y a eu deux choses. Il y a eu une fois, je regardais le journal télévisé et j'étais dans une humeur, j'avais eu un problème affectif assez fort dans la journée, tout un truc. Et je suis rentré, en regardant le mec qui présentait le journal, je lui ai fait, disons, je lui ai balancé mon humeur, ce que je pensais, c'était un peu dur comme ça. Et une fois, je suis rentré avec, avec Georges Belair. On était en célibataire, on est rentré chez moi, et comme j'avais des micros, je faisais de la musique, j'ai pris le micro, puis j'ai mis le truc dedans, et je me suis dit que c'était un film de Fernandel. Et là, on l'a doublé, et automatiquement, les premiers stades, c'est vraiment pipi, caca. Le cul et tous les trucs, et on comme des gosses, on balance. Il faut continuer comme ça. Alors, et comme on a fait ça, évidemment, un certain temps, au bout d'un moment, c'est moins pipi caca. Bon, tu as fait d'abord, en fait, tu as fait plein de choses. Tu as fait les hommes politiques qui comptent sur leurs doigts, qu'on nous montre toujours au César, au machin, enfin, Craven, on fait une consommation effarante. C'est venu en regardant Lyotard, un truc que j'avais enregistré sur. Pour des pleurs de vérité, j'ai remarqué, je le doublais, si tu veux, puis j'ai remarqué que j'avais fait un, deux, c'est parti de là. Et en voyant les autres, attends, ils comptent tous sur leurs doigts. Et ils comptent tous sur leurs doigts en faisant un, deux, trois. Et en fait, après, on m'a dit que c'est drôle parce que c'est le discours, le fameux discours de l'ENA, c'est-à-dire les trois parties. Thèse, antithèse, thèse. Voilà. Ils ont du mal à faire le 4, c'est vrai, mais il paraît quand même. Que... Alors, t'as fait les animaux qu'on voit chez Michel Drucker relativement souvent. La pub Esso, qu'on voit aussi pas mal en ce moment. Et puis alors, il y a un truc, c'est qu'à un moment, on t'a piqué l'idée. Quoi. Colaro, je pense qu'il a vu le truc. Il avait vu Animal Crackers, je pense, tout ce qui s'était passé dans Mongo et Dingo. Donc il devait. Mais moi, je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas vu Mongo. Je ne suis pas du tout. Moi le truc des animaux, c'est parti d'un piratage d'images d'animaux à la télé. C'est parti de là. Tout le monde t'a dit de l'attaquer au tribunal. Pas tout le monde, mais il y a des gens qui vont dire mais prends leur référé. Et toi, tu as décidé de faire une cassette vidéo, je trouve ça plus drôle. Quoi. Oui, je pense que les animaux devaient répondre à ça. Bonjour mesdames, qu'est-ce qu'il a fait Stéphane Colaro? Il a copié sur son voisin. Il a copié. Il a complètement pompé. Et comme c'est un mauvais élève, évidemment, il n'a rien compris. C'est un scandale. Un scandale, on peut le dire. Oui, mais lui, il dit que vous avez pompé les Américains. Bah, qui vient de me le dire? Je lui file un pain. C'est vraiment dégueulasse parce que c'est une pâte copie. Hein. Mais oui, c'est une honte, franchement. Je vais te dire, il mériterait la fessée. Mais oui, une bonne fessée. Cunu. Ah oui, cunu, ouais. Ça fait de la peine. Je suis sensible, moi. Non, écoutez, il faut quand même pas dramatiser. Non, il dit, c'est vrai qu'il a beaucoup travaillé et qu'il a beaucoup. Et alors? Oui, qu'il a beaucoup travaillé, qu'il écrit des scénarios, que c'est un gros travail, qu'il vous a beaucoup observé. Pardon? Je dis mon cul parce que vraiment, il faudrait. Copieur. Faudrait arrêter de se foutre de notre gueule. Il y a de l'abus. Hein. Mais putain de bordel, on a une âme, non? Nous, c'est pas vrai? Mais il s'en fout, lui. Hein. Il s'en tape complètement, tu vois. Mais c'est un enfoiré! Ça me fout en l'air, ça m'énerve. Calme-toi, petit, calme-toi. Tu l'emporteras pas au paradis, c'est lui qui a l'air d'un con. Le taré, là, oui. Et les mecs? Si on se marrait un peu.
Hein, on s'en fout. Vous chitez, lui, nous fait rire. Alors, le reste, là. Il a la raison. Il faut danser à ce remuer. On est jeune, le nom de Dieu. Dansons. Allez, hop, là, dansons. Dieu, toi. Ah.